Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche des Rameaux où nous fêtons l'entrée de Jésus à Jérusalem, vous êtes dans la cathédrale, je vous invite à vous retourner vers le fond, vers la porte centrale qui est fermée. Et nous-mêmes, nous sommes avec Monseigneur de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris, sur le parvis à l'extérieur, devant cette porte monumentale qui tout à l'heure s'ouvrira. Entrons donc avec l'aide de notre numéro de Magnificat en main et les rameaux d'autre part dans cette grande célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi, c'est Jésus de Nazareth, pasteur et agneau, pontife et victime, homme des douleurs et seigneur Sabaoth, temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, il entre le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, il entre le roi de gloire. Il est ce roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire.
Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Regarde, Jérusalem, voici que l'on dit parmi les nations, montons à la montagne du Seigneur, au sanctuaire du Dieu de Jacob. Exulte, Jérusalem, car voici que s'avance le peuple saint. Il a pris la route, maintenant il entre dans tes murs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment. Mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. Acclamons la parole de Dieu. Frère, un détail. Au début de son ministère public, Jésus, lorsqu'il était à Cana et qu'il manquait de vin, Marie se tourne vers lui pour lui demander de faire un geste et Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » C'était le commencement de son ministère. Et puis, les mois passent. Au milieu de son ministère, Jésus commence à annoncer « Elle vient bientôt mon heure. » Elle vient bientôt mon heure. Et tout à l'heure, nous allons entendre le grand récit de la Passion dans l'Évangile de saint Marc. Et nous entendrons Jésus affirmer « Voici qu'elle est venue, mon heure. » Et nous sentons, en entrant dans cette messe des rameaux, que nous sommes à l'heure de Jésus, c'est-à-dire à l'heure pour laquelle il est venu en ce monde, à l'heure de l'accomplissement.
et nous allons le suivre en sa passion. Nous voyons Jésus subir, oui, il va subir une arrestation, il va subir plusieurs condamnations, il va subir la flagellation et la crucifixion. Mais le disciple perçoit que Jésus se laisse conduire, mais que Jésus accomplit, et que Jésus se donne, et que Jésus va jusqu'au bout. Jésus est libre en sa passion, et nous le percevons dans ce grand récit que nous entendons dans quelques instants. Cette semaine, toute l'Europe a été bouleversée avec l'avion Airbus A320, 150 personnes qui se sont écrasées, beaucoup d'émotions, et nous prions. Et puis, toute la presse se porte sur ce copilote, Andrea Lubick, une personnalité complexe, et à certains moments, la personnalité de l'homme nous effraie. Combien c'est important de pouvoir porter notre regard vers Jésus, dont nous percevons qu'en toute sa passion, Jésus vit le combat intérieur, les forces du bien contre les forces du mal. Et c'est en cela que nous l'accompagnons maintenant. Nous allons pouvoir vivre le geste maintenant de la bénédiction des rameaux. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères, comme les foules de Jérusalem dans la joie, acclamons le Messie. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna.
Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion,
et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Proclame ton nom devant mes frères.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car il se disait, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient, mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait,
chancel a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? Il envoie deux de ses disciples en leur disant : Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : Le maître te fait dire. Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée, prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient : Serait-ce moi ? Il leur dit : C'est l'un des douze, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit : Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors : Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond : Amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Mais lui reprenait de plus belle : Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant : Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : Mon âme est triste à mourir. Restez ici, éveillés. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis.
il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, « Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit ? Pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons. Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi.
Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, fais le prophète. Et les gardes lui donnèrent des coups. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu
après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour : Sûrement tu es l'un d'entre eux, d'ailleurs tu es Galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer : Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau : Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qui leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit : Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait : Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? De nouveau, ils crièrent : Crucifie-le ! Pilate leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mal ? Mais ils crièrent encore plus fort : Crucifie-le ! Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines.
qu'ils ont tressés. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Puis de là, il l'emmène pour le crucifier et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même !» Descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte,
Se traduit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le
il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume.
credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum. Et ex Padre La quête, aujourd'hui, pour le Dimanche des Rameaux, est dédiée aux prêtres. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis aucun mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, son auxiliaire Renaud ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, dans ce petit livret qu'on vous a distribué, le petit livret du Magnificat, vous avez tout le programme de la Semaine Sainte, c'est-à-dire la messe chrismale, les offices des ténèbres, le grand chemin de croix, la veillée pascale et la messe de Pâques elle-même. Donc vous voudrez bien le consulter. Maintenant, nous pouvons nous lever pour achever notre prière avec Monseigneur de Dinsha. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous aussi dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Voilà, c'est la grande bénédiction des rameaux. Voilà, je demande au Seigneur de poser sa main sur vous, de vous accompagner, d'habiter en vous tout au long de cette semaine sainte, que au sein des offices, vous puissiez accueillir sa présence et entrer dans la grâce de la résurrection avec le Seigneur. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.